un de mes mouvements favoris pour travailler à la fois le bas du corps et le haut du corps. Je vous montre un peu séparément les deux et ensuite je les combine. Pour le bas du corps, je vais me balancer et à un moment donné, je vais pousser un peu plus fort sur mes mains pour reculer et me retrouver en position accroupie. Donc, l'idée est la suivante. Je me balance et tout d'un coup, hop, je me retrouve en position accroupie. Là, deux possibilités. Soit je travaille uniquement la position accroupie et dans un premier temps, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que je fais par exemple un bercement et deux. Au deuxième, je fais ceci. Un bercement et au second, un balancement, pardon, et au second, je me mets en position accroupie. Ou si je veux rendre la chose un peu plus dynamique et intéressante, je vais faire la même chose, mais je me mets debout et je me raccroupis et je me remets en position. On peut rajouter, pour les plus sportifs d'entre vous, un petit saut. Ce qui me fait sortir du cadre. Et hop, position accroupie, prenez le temps et puis retournez-y. Hop, accroupi, debout, accroupi, et c'est reparti. Pour le haut du corps, je vais tout simplement faire un mouvement de pompe. Et là, il y aura aussi deux possibilités. C'est-à-dire que cette fois-ci, quand je vais en avant, je reste sur mes genoux et je fais une pompe. Et je reviens. Et donc, tous les X bercements, balancements, je fais un mouvement de pompe. Ça peut être à chaque fois ou ça peut être une fois sur deux. Pour, au bout de quelques jours, ou pour les plus forts d'entre vous, au lieu d'aller rester sur les genoux pour faire la pompe, vous pouvez vous mettre sur les orteils et faire une pompe classique, habituelle. Alors maintenant, je vais combiner les deux mouvements. Je fais pompe, hop. Accroupissement. Pompe, accroupissement. Ou bien sûr, toutes les variantes entre les deux. Un mouvement de pompe, un repos, un accroupissement, un mouvement, pompe, accroupissement. Tout est possible. Et bien sûr, pour la version plus dynamique, debout, accroupi, corps tendu, pompe. Sans poser les genoux, je passe directement accroupi, debout, accroupi, sans poser les genoux en position pompe, et je recommence. Ça, c'est la version beaucoup plus physique. Mais dès que je suis un peu fatigué et que j'ai envie de continuer quand même l'exercice, ben, je reprends mon balancement, et puis un petit peu d'accroupissement, et sur les genoux, et dès que je me sens plus l'énergie, allons-y, c'est parti. Merci beaucoup, bonne pratique, ça va vous donner un corps fort et résilient.